Chirac jette des ponts avec l'Irak. Il se rend dans le pays, joue à fond la carte irakienne, multiplie les gros contrats, barrages, armes, coopération nucléaire. En septembre 1975, il reçoit Saddam Hussein en grande pompe à Paris et ne lésine pas sur les compliments. « Vous êtes mon ami personnel, vous êtes assuré de mon estime, de ma considération, de mon affection. » L'accord de coopération nucléaire est au point, nous l'avons même complètement arrêté. Combien de centrales sont en jeu? 20 mois.